J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de Ark Scorched Dirt. Et aujourd'hui, on va pas faire les Rex, car, comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont déjà là. Mais aujourd'hui, on va aller tuer une Wyvern Alpha que j'ai vue dans la feuille à Wyvern et qui est level 120. Du coup, je voulais faire une spéciale, un épisode dessus spécial, car j'ai envie d'avoir les gants en cristal. Mais avant, pour ceux qui suivent la série, vous savez ce qu'on va faire en début d'épisode. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Et oui, de nouveau. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose de nouveau qui est très très visible. Ils m'observent tous avec leurs yeux, là, mécaniques. On a les Rex Tech, bien évidemment, les Rex Tech pour aller faire les boss. Du moins, les boss. Le boss, la Manticore. Et d'ailleurs, on a les petits Rex pour les boss, d'ailleurs, qui sont... Le boss, bordel, le boss, qui sont ici. Donc, on en a 4 ici. On en a 6 qui sont en train de grandir. Et on en a 9 qui sont en train de... D'attendre le temps que eux ils sont grands. Comme ça, après, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand eux, ils sont grands, on fait éclore pour éviter qu'ils meurent tous de bouffe. Et après, on est bon. On fait des valses de bébés. Du coup, on en a 6 ici, 4 là-bas, ça fait 10, 9 à l'intérieur de l'incubateur. Pourquoi 19? Parce qu'il nous faut un Yutiranus qui sera dans le prochain épisode. Et les prochains épisodes après cet épisode de Yutiranus, il y aura des petites expéditions dans les grottes. Oui, mesdames et messieurs, petites expéditions dans les grottes pour avoir les artefacts, pour pouvoir faire le boss, bien évidemment. C'est vrai qu'on avance très vite. En vrai, je suis en train de me dire on avance très vite, mais c'est normal. C'est parce que j'essaye de faire un bon condensé, avoir des épisodes qui soient un peu logiques. Et vu qu'on fait le lore du jeu, bah on n'a pas de mode ou quoi qui nous sert à vraiment... aller voir un peu autre chose. Donc, on fait l'histoire du jeu, qui est de faire le boss, et après, on change de map, ce qui paraît logique. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire la Wyvern Alpha, on va l'exploser. Et pour ça, il nous faut... Oh, amène à moi la route Saint-Paul. C'est vrai que j'allais l'appeler... Ah, j'allais l'appeler Roule pour le Lion, mais je l'ai mis... Amène à moi la route Saint-Paul. Enfin, ah, on va prendre en créopole la Wyvern électrique. Au cas où, s'il y a une Death Swarm. Au cas où. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un fusil à pompe pour aller la tuer. Et tout ça pour avoir des gants. Ça qui me fume le plus, c'est que vraiment, je veux juste des gants. Des gants en cristal, c'est tout ce que je veux. Allez hop, encore dans la speed. Let's go. Alors, ce qu'on pourrait aller faire, ce que je vais aller faire aussi de mon côté, c'est que je vais essayer de faire tous les drops dans le désert. Donc, les drops du désert, c'est les drops un peu de terre, de cave. Je vais essayer de les faire. Comme ça, je vais essayer d'avoir une selle de Rex. D'ailleurs, dans un des drops, j'ai eu un schéma de sel de Gigano. Je suis un peu dégoûté vu qu'il n'y a pas de Gigano sur cette map. Donc ouais. On va voir ça. On va aller faire ça. Mais là, direction la faille à Wyvern. Et on va aller tuer la Wyvern Alpha que j'avais vue. J'espère qu'elle est toujours là d'ailleurs. Parce que si elle a despawn, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Du coup, let's go pour la faille à Wyvern. On va aller la tuer. Ça va être un très court épisode en vrai. Mais au moins, c'est un épisode en plus dans cette série qui est immense. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous fais des petits cuts. On va aller chercher des drops aussi. Allez, je vous mets un petit bonus. Ce sera aujourd'hui vidéo Wyvern Alpha et les petits drops qu'on peut avoir dans le désert. Allez, let's go. Aussi, je voulais vous faire part de tous les likes que vous me faites sur les vidéos. Merci beaucoup. Et surtout, pour vous dire que maintenant, je stream. Je vais dire plutôt live, parce que stream, c'est plus TikTok. Waouh. C'est plus Twitch. Je live sur YouTube maintenant le lundi, mercredi et dimanche à partir de 9h du matin pour ceux qui sont en France et pour ceux qui sont à La Réunion, bien évidemment. RPZ974, hein, 974 RPZ plutôt. Bon, m'y connais plus, cause créole, m'y connais plus le nafer. Bon, pas grave. Ce sera à midi, du coup, vu qu'on a 3 heures de décalage avec la France. Mais pour vous dire que maintenant, je live tous les lundis, mercredis et dimanches. Comme ça, vous pourrez activer la cloche. Je live le matin, comme ça, on a toute la journée devant nous. Même si je sais qu'il y en a qui ont cours. C'est pas grave, mettez dans le cours, le live, y a pas de souci. C'est juste que j'ai pris cette décision-là parce que au final, le soir, il y avait pas grand monde qui venait. Et d'ailleurs, merci. Ouh, alors toi, si tu level... Nique ta mère. Désolé. Gentil maman. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est bientôt à 4000 heures de visionnage, mais genre, c'est juste énorme. Là, à l'heure actuelle que je vous parle, on est à 3018 heures de visionnage. Et on est bientôt à 1000 abonnés. Merci à beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. On est à 756, je crois. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous connaissez la chanson. J'ai loupé la faille à Wyvern. Elle est plus basse là-bas. Pas grave. On va aller faire demi-tour. On va aller. Let's go. D'ailleurs, je me dis, je vais bientôt faire
faire une vidéo, je crois, timing de golem. Il m'en faut un. Il m'en faut un juste pour le swag. Juste pour le swag. La Wyvern Alpha est dans les parages, normalement. Et je suis vraiment dégoûté si elle est morte. Oh, elle est là. Ah, c'est une level 20 en plus. Bah, pourquoi j'ai vu le level 120? Ah, c'est pas du jeu. Ah, c'est pas du jeu. Ah, la Wyvern électrique dans le dos comme ça, là. Ah non, hein. Ah, là, c'est problématique. Ah, arrête. Arrête. Putain, ah non, là, c'est compliqué, là. Why? Oh, le rollback. C'est compliqué parce qu'il faut pas faire des spawns, la Wyvern Alpha, en fait. Faut que je tente un coup de génie. C'est pas sûr que je vais y arriver. Faut que je tente un coup de maître. Attendez. Faut que je tente un truc. Faut que je tente... Oh, bah c'est bon, elle a perdu l'aggro. A perdu l'aggro, c'est good. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre Wyvern Electrical. On va ranger notre Argentavis qui a failli die ça. Voilà. J'ai sorti la Wyvern au cas où s'il y a une Death Swarm qui sort de nulle part. On sait jamais. On sait jamais. Hop. On s'aligne. Passive. Et là, on va la matar. Non, c'est good, la folle, j'ai cru que j'allais brûler. Attendez, c'est une technique, mais Quoi? Ah mais oui, c'est vrai qu'elle peut péter. Alors, on le fait au fusil à pompe, et après, peut-être que ça va changer, hein. C'est juste qu'il n'y a pas... Ça m'arrange que c'est une level 20, d'un coup. Ça m'arrange grandement. J'ai cru que c'était un verre des sables, normalement. Normalement, non, au début. Je me suis dit, oh, ce bruit-là, j'aime pas. Bon, je tente de le tuer au fusil à pompe, mais ça va finir la Wyvern, ça. Ça se sent, hein. Déjà, elle prend pas vraiment ses balles. Elle prend pas vraiment ses balles, hein. De toute façon, elle peut pas se nourrir. Elle démarre la porte, hein. Elle va péter la porte. Je crois qu'elle saigne même pas encore. Ah si, elle saigne, mais elle fait saigner la porte aussi. Enfin, façon de parler. Oui, recharge. Notre Wyvern derrière, elle s'approche un peu trop, je trouve. Allez. Non. Non, pète pas la porte. Laisse-moi te tuer avant. Let's go. On a les gants de Wyvern, let's go. C'est ça que je voulais. T'as pas eu de Death Swarm, c'est nice. Juste voir ce qu'il y avait dans son inventaire. Ouh, bébé. Ah, le trophée de la tête de Wyvern, let's go. Et masse de Wyvern. Toujours cool d'en avoir. Pour retirer... Ah oui, parce que ceux qui ne savent pas, le lait de Wyvern peut retirer les effets de Wyvern. Comment dire ça? Le feu. Moi, ça immunise... Le feu, level combien? 5. Ah! Non! Bon, on rentre à la maison, on dépose le lait de Wyvern dans le frigo, et qu'est-ce que je voulais faire? Oui! Et on va aller chercher les drops, les petits loots. Faire un petit tour, on va voir, et après on sera bon. Et je pense que, ouais, le prochain épisode, Utyranus, et après, si Hugo n'est pas encore prêt, parce que je vais faire les grottes avec Hugo, si Hugo n'est pas encore prêt, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va aller tamer un golem. Voilà, on va essayer de trouver, tamer un golem, et on va en tuer aussi. Ce n'empêche, faut en tuer des golems pour en faire respawn au level. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'on va faire, mais ouais. Ça pourrait être cool, en vrai, ça pourrait être cool. Je vois rien. Je vais aller dans le portail de Dieu, c'est ça? Oh, mon Dieu. Ah, bro. J'ai pas voulu. Bon, let's go. Maison déposée. J'ai enfin les gants. Mais c'est trop bien. Enfin, je suis en train de jouer à trop de jeux où on peut se voir, en fait. Je voulais voir mes mains, mais j'ai oublié que notre personnage n'est pas réellement là, physiquement. Enfin, on est en première personne. Allez, on se pose là. Voilà. Bon, j'ai crafté pas mal de balles, mais bon. Au début, j'avais vu un level 120. Donc, je me suis dit, je vais crafter plus de balles. Heureusement que c'était un level 20. C'est la porte, elle aurait clamsé là. C'est sûr et certain, la porte aurait clamsé. Bon, je vais mettre l'argentavis en haut. C'est fait. Tiens, emmène-moi la route Saint-Paul, t'inquiète, je peux te le reposer. Bah tiens, les frigos. Faire un peu de polymère pour les restacker. Par contre, je suis en train de me dire que ça là, j'en ai beaucoup, mais ça ne sert à rien. Le lait de Wyvern se conserve mieux. Oh oui, large. Bon, ça ne servira pas à grand chose, comme je l'ai dit, parce que les bébés Wyvern ont pas besoin de lait de Wyvern pour grandir. Chez nous, ils grandissent assez vite, donc c'est plutôt cool. C'est quand même stylé. On va juste mettre la petite... Oh ouais, le petit trophée. Est-ce qu'on peut avoir le truc du trophée? On va mettre ça sur le mur. Ça va être beau. Ça va être de toute beauté. Mais ça où? Mais ça là? La porte? Enfin, ça dépendra en fait de si c'est la tête descend trop ou pas. Ouais. Non, ça va, en vrai. Tête d'Alpha Wyvern, là. Magnifique. Bon, je crame dehors. On rentre. Bon, on va aller chercher les loots. Vu que la Wyvern Alpha, c'est fait, go chercher des loots. Allez, notre premier loot rouge pour voir un petit peu si on a de la chance. Allez, c'est vraiment le jeu de la roulette, ici. La chance, la pas chance. Ah!
Ah, vision nocturne de mes deux, c'est abusé. Bon, go le prochain. Un nouveau petit drop, let's go. Loot. Allez, la chance avec nous, la chance avec nous. Oh, ah, eh. En vrai, c'est pas dégueu. Pour de vrai, c'est pas dégueu. Un Fabi, un schéma de Fabi, c'est pas dégueu du tout. Je suis content, premier degré, content de ouf. Ça, c'est bon, ça. Pour la Manticore, en plus, c'est très très good, parce que du coup, elle peut voler, donc... petit coup de Fabi, au calme, hein. En plus, si on a... Ouais, on a pas de pompe. Si on a pas de schéma de pompe, ça va être très très cool. Bon, go au suivant. Tiens, regardez ce qui me suit en dessous. On va se fight un coup, là. Alors, good fight. Ah ouais, sans... Ah oui, ça change. Merci Hugo de m'avoir mis le cristal dans la Wyvern. Ah ouais, il prenait du 500 de dégâts, je crois, la Wyvern. Un peu plus, genre 300. Maintenant, avec le cristal, il prend du 152. Bon, ouais, 156, ça fait quand même mal. En réalité, je dis pas, ça fait quand même mal. Hop, petit Death Swarm mort. On peut accéder à son inventaire, s'il vous plaît. Bon, petit fight comme ça, hein, c'est plutôt sympa. Allez, petit nouveau drop, là. C'est le... Ouais, c'est le drop, ça. 3, 2, 1, go. Oh, hein. Alors, je comprends toujours pas, hein, mais les scuba, mon ref... Voilà quoi, je te fais pas un dessin. Ça sert un peu à rien dans un désert quoi. Mais bon, c'est le jeu, hein. Faut rien dire. Faut qu'il nous donne des trucs scuba alors que ça sert à rien dans un désert. On a eu des pams la dernière fois en live, donc bon, c'est grave, hein. C'est très grave. De retour à la maison. Et on va faire un petit débrief de ce qu'on a eu. Alors le scuba qui ne sert à rien. Le mégaloceros qui ne sert à rien. Ça, ce sera à broyer, ça aussi. Et alors, on va mettre là-haut. Ah, tiens, les petits petons. J'en avais déjà. Ou hop, un pour Hugo. C'est cool. On va mettre ça aussi dedans. Pour la fourrure, je vous fais pas un dessin. On va mettre le Fabi là-dedans. D'ailleurs, j'ai eu ça en schéma la dernière fois. C'est juste masterclass parce que ça va être de la bonne défense pour nous. Et la polymère organique, on peut en avoir à foison. Donc les 1600, en vrai, easy, easy. Bon, on va aller mettre ça dans le broyeur en haut. Les deux petits stuff. Et après, on sera bon pour cet épisode. Je voulais mettre en dessous du trophée. Comme ça, on voit bien un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Eh bien, mes biches, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pas louper aucune vidéo qui va sortir les prochains jours sur cette chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Elle danse dans la pièce, elle me tend la main dans mes rêves. Sa beauté si violente envoûte mes pupilles et danse lent.